à tous au Dynamic Game de Challans, en fait, sur la chaîne Dynamic Game en général. Donc c'est la même lance que vous trouverez dans tous les Dynamic Games. Ouais, ouais, on est costumés, surtout là, on doit avoir... on vous avait promis un truc de fou, un sondage en fait, pour son activité commerciale, soit dehors, soit carrément déguisé ou costumé. Donc là, je vous présente la princesse Peach. Mais la princesse Peach qui a vieilli. Oui, qui a beaucoup vieilli. Donc princesse Peach, il va nous accompagner. Va vous montrer 2-3 jeux. On va faire un petit gameplay pour que vous puissiez voir ce qui vous plaît. J'ai participé, vous avez vu. Hein, j'ai le petit bonnet PlayStation. Donc je voulais être un peu solidaire, mon ami Pierre. Donc toujours Pierre, je sais pas si vous le reconnaissez. Attends, on ne voit pas trop là, regardez. Oh, comme il est beau, c'est princesse. Bon. Je trouve que c'est princesse Peach, mais sale. Vous voyez. Qui s'est pas lavé depuis des années. Allez, on enchaîne sur les jeux. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Donc au tout début, je vais vous présenter Super Mario Bros. U Deluxe. Où en fait, ça sera un jeu vidéo pareil que Mario Bros. Mais vous aurez, vous aurez plus de niveaux. Et c'est un très bon jeu pour jouer à plusieurs et en famille. Voilà, très bon jeu de plateforme classique. Vous savez, c'est le jeu des années 80 qui a été remasterisé. On se déplace de gauche à droite. Vous êtes tous sur la tête d'Edim. Vous pouvez jouer à 4 sur le même écran. C'est un très très bon titre. Et après, t'en avais un autre. Donc ça, on va le voir juste après. Et puis, t'avais quoi comme titre? J'avais aussi. C'est perdu, Mami Peach. Splatoon 3, où là en fait vous avez une carte et le but c'est de recouvrir la carte le plus possible de peinture avec différentes armes, pistolets, pinceaux, rouleaux, et on peut aussi shooter ses adversaires pour justement prendre l'avantage du terrain. C'est ça, donc ce qui va changer par rapport à l'ancienne version, c'est que là vous avez des armes supplémentaires, des nouveaux terrains, des nouveaux modes de jeu, donc vraiment très complet, c'est une suite classique du Splatoon 2. Mais Splatoon 3 est encore plus complet, comme du genre arc, de peinture, etc. Avec plus de challenge, vraiment très très bien. On va faire un petit test. Tu viens, mamie? T'arriveras à courir, mamie? Ouais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti! Thank you.
Et voilà, de retour sur le jeu. Donc, comme vous avez pu voir, notre New Super Mario Bros. Et Splatoon 2. Ah, on est encore ouvert, donc on regarde de temps en temps s'il n'y a pas un client qui rentre au magasin. Yeah. Donc voilà, hier, yeah, c'est ma Princess Peach plus vieille. Alors, attendez, on va faire une petite démo quand même. Comme il est beau, oh, il est magnifique. On va remercier Lydie qui nous a prêté la belle robe de Peach, donc qui était dans sa collection personnelle. Non, c'est pas vrai. Et on va parler d'un autre jeu. Donc c'est One Piece Odyssey qui est sorti cette semaine. Donc celui-ci c'est plus un jeu d'aventure, un jeu de rôle. Donc on trouve tous les protagonistes de One Piece. Et c'est du tour par tour. Donc vous allez pouvoir attaquer chacun votre tour. Là il découvre une nouvelle île, sans vous spoiler. Il découvre une nouvelle île, il arrive, il y a des combats, il perd tous ses pouvoirs. Donc vous pouvez après attribuer les pouvoirs aux personnages que vous voulez. Donc on retrouve tous les personnages de la série. Vraiment très 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 bon jeu pour les passionnés de One Piece, un très bon titre. Par contre, attention, c'est au tour par tour, donc c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Donc, on fait une petite démo tout de suite du jeu. C'est parti, à tout de suite. Peggy 12. We'll be right back.
あってはならない歴史だ. Je laisse te débrouiller sur le résumé, les amis. A tout de suite. Donc, pour résumer tout ça, ce sont de très bons jeux, tous à tester. Et aussi, une petite dédicace à Lucas, Melvin et Noah. Et voilà, donc... Je rigole parce qu'il y a des gens, qui passent, qui le voient en robe, et ils rentrent pas, ils ont peur. C'est quoi ce magasin de fou? Donc voilà, un petit résumé des jeux. Donc le New Super Mario Bros. Deluxe, le Splatoon 3 Odyssey, Splatoon 3 tout court, et c'est le One Piece Odyssey, le dernier que vous avez vu. Donc voilà, donc on vous retrouve au magasin. Tous les magasins Yami Games sont ouverts de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Ouais. Certains jours fériés aussi, ils font quelques opérations. Il y en a certains qui font du Magic, il y en a qui font des réparations de console, etc. Je vous invite à aller sur le site internet pour voir aussi toutes les nouveautés. Donc voilà, bon, Mamie Peach sale, je te dis à bientôt. Oui, en plus, c'était ma dernière vidéo, je reviens encore en mars avril. Ah bah oui, donc on ferait peut-être au mois de mars, vous verrez. Donc essayez de trouver, ce serait bien que vous nous puissiez nous dire ce que vous voudriez comme déguisement pour mon ami Pierre. Ah, il est motivé, hein, motivé, il veut une salle, ouais, de 20 000 vues. Tous, allez. Je vous dis à bientôt les amis, allez bye bye, salut.